Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Kipuzwe, quand nous passons en revue les chances des partants pour cette 26e journée qui se tiendra demain samedi le 2 septembre 2023. Tout de suite, nous passons à la présentation des partants. Dans la première course, The Unity Association of Petit Raffray Cup, course qui sera courue sur 1400 mètres pour la catégorie 0-20. Le 1, High Voltage. Le 2, Kraken. Le 3, Romanus. Le 4, Inauguration. Le 5, Chechbech. Et le 6, Duke of Abercorn. 6 partants dans cette épreuve seulement. Alors, à noter que l'épreuve débutera à midi ce samedi. La première course débutera à midi. Tout de suite, nous passons au tableau des ratings. Alors, au niveau des ratings, basé sur Last Free Performance, Romanus est en tête des ratings avec un rating de 93 points. Basé sur sa dernière performance, même sur Last Performance, 93 points. Il y en a Kraken et Duke of Abercorn possèdent un rating de 90 points respectivement. Ça veut dire, au niveau du rating, nous trouvons que Romanus est le meilleur cheval, suivi de près de par Kraken et Duke of Abercorn. Cette course devrait se jouer parmi ces trois. Au niveau du Speed Map Start Index, Kraken et Duke of Abercorn les plus rapides du lot. Kraken tient la première ligne, Duke of Abercorn la troisième ligne. Moi, je pensais personnellement que Duke of Abercorn est légèrement plus rapide que Kraken dès l'ouverture des stalles. Mais Kraken avec sa première ligne, certainement, il peut essayer d'adopter la même tactique que la dernière fois, from start to finish de nouveau. Il peut peut-être essayer d'insister God sur position avec sa première ligne. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, nous trouve un Chechbech Inauguration. Ils se tiennent tous de près sauf High Voltage dans cette épreuve. Premier race review pour cette émission. Nous passons en revue la course de Romanus, course qui l'avait remportée lors de la 18e journée. Romanus était sorti de la 4e ligne. Dans les courses, là, nous retrouvons Duke of Abercorn. Sorry, Romanus était sorti de la 2e ligne et Duke of Abercorn de la 4e ligne. C'est parti pour cette première épreuve, 1365 mètres à parcourir. C'est Duke of Abercorn qui est le plus sollicité pour aller devant. Duke of Abercorn facilement se porte en tête de cette épreuve. Duke of Abercorn avait en seul que Sir Ramsamy. Romanus avait l'apprenti qui montait pour la première fois en cause. Paya. Romanus en dernière position. En montée. Donc, Duke of Abercorn cloque 23 secondes 39 centièmes entre les 1200 mètres et 800 mètres. Chrono correct. Final loin de bon rythme cette épreuve. Ensuite, eh bien, on retrouve Moon Jumper qui s'amène à l'extérieur de Deila Vista et Romanus qui suit toujours les grandes. Alors, Romanus, à partir des 800 mètres, commence à décaler en position 1-9 et nous trouvons qu'il est intimidé par la présence de Moon Jumper qui est à son extérieur. Moon Jumper qui va se rapprocher. On retrouve Romanus. Là, le cheval, le jockey, en même temps, je peux hésiter pour rentrer dans ce gap. Deila Vista, s'il trouve. Duke of Abercorn peut lancer sprint devant et maintenant Romanus. Trouve la lumière. Les chevaux entrent maintenant dans la ligne droite finale avec Duke of Abercorn qui tente de repartir. Romanus à l'extérieur va foncer sur lui. Deila Vista. Alors, ce fut la première course de Romanus cette année. Duke of Abercorn avait déjà 3 galops dans les jambes. Duke of Abercorn qui se bat bien, mais Romanus va prendre le dessus. Romanus s'impose dans cette épreuve. Basé-le sur les courses pour moi. Bon, Kraken. Cheval pas négligé, il remporte une belle victoire la dernière fois. Kraken et Duke of Abercorn, ils ont une cloque pratiquement les mêmes sectionnels, même speed rating qui se tient faire. Donc, Mokav dire que Kraken et Duke of Abercorn, ils ont pratiquement le même potentiel. Romanus avait Adrien Paya sur le 2 la dernière fois. Cette fois-ci, il aura l'expérimenté Radura One. Vous pensez que Romanus devra se montrer encore une fois trop fort pour cette catégorie de 0-20. À ne pas oublier, Romanus est un cheval qui régulièrement l'année dernière se fait galoper en benchmark 31. Il fait une bonne performance en benchmark 31. D'ailleurs, Shortcut, New Abbey, Traveling Man. Donc, pour ma sélection dans cette course, une course plutôt ouverte. Je vous donne l'avantage à Romanus. Et pour les sélections, je vais mettre Kraken avec sa première ligne qui peut donner striking position. Soit lui pour en tête. Ou juste derrière Duke of Abercorn.
Romanus devant Kraken et troisième place, Duke of Abercorn. Petite note, Cheshbech avait bien couru la dernière fois. Je vais la suivre et l'ICAV termine dans le côté cette fois-ci. Présentation des portants dans la deuxième épreuve. Le mouvement civique de mort d'Albert Cup, course qui sera courue sur 1400 mètres, catégorie 0-20. Le 1 Cap Couta de l'écurie Dominique Zaki, monté par Sonaram, 61 kg, 3e ligne. Le 2 Al Jazeera de l'écurie Mahadia, monté par 2 Oliveira, 60,5 kg, 7e ligne. Le 3 Uno Kalani de l'écurie Mingor, monté par Cédric Segeon, 60,5 kg, 4e ligne. Le 4 Sonal Cessna de l'écurie Debi, monté par Yannis Taka, 60,5 kg, 2e ligne. Le 5 Quest for Good de l'écurie Simon Jones, monté par Jean-Nubois Dutier, 60 kg, 6e ligne. Le 6 Italian Way de l'écurie Ramatula, monté par Imran Chisti, 58 kg, 5e ligne. Et le 7 Artax de l'écurie Siodial, monté par Swapnil Rama, 56,5 kg. Et il a tiré la première ligne au tableau des ratings et speed map pour cette épreuve. Dans les. Alors. Last 5 performance, last 3 performance. Sur la distance 1365 mètres, 1400 mètres, Ono Kalani. Largement en tête devant ses adversaires, pas largement, et il ex aequo avec Al Jazeera qui nous trouvait sur le tableau avec un rating de 96. Alors, Ono Kalani et Al Jazeera se démarquent du lot au niveau du rating dans cette course basée sur Last Free Performance. Au niveau du speed map dans cette épreuve, Al Jazeera, malgré sa 7e ligne, le plus rapide du lot. Mais à noter que la dernière fois, Al Jazeera est pointé au départ. Il manque son départ. Il suit en midfield. Donc tout va dépendre de son comportement dès l'ouverture des boîtes. Al Jazeera a une capacité pour lui en tête si jamais il sortit bien. Devant Artax qui, avec sa première ligne, prend en deuxième position. Au niveau du finish index, Ono Kalani, le meilleur finisseur de la course. Et ensuite, nous retrouvons Al Jazeera, Quest for Good. Petite analyse dans cette course. Course de catégorie 0-20. Course avec des chevaux plutôt moyens. Il y a un cheval qui se démarque, Ono Kalani, dans cette course. C'est un cheval qui est venu avec une très très bonne réputation. Un cheval qui galope groupe 2 et groupe 1 en Afrique du Sud à l'âge de 2 ans. Qui sortit à deux longueurs du Grand Waterbury Lane. À pratiquement une longueur de Good Traveller. En Afrique du Sud, sur cette fiche sud-africaine, Penafoto entre Ono Kalani et ce bon adversaire dans sa course. Mais jusqu'à l'heure, jusqu'à présent, Ono Kalani n'a pas démontré nous sa potentielle là, as such. Malgré cela, Mopo accorde mes préférences à Ono Kalani dans cette course, puisque dans cette catégorie de 0-20, on a plusieurs chevaux très très moyens, à l'image de Italian Way, Artax, Cap Couta, etc. Vous pensez que Ono Kalani est un bien meilleur cheval, vous pensez que cette année il est bien mieux que l'année dernière. Et comme adversaire, vous pouvez citer Al Jazeera dans cette course. Al Jazeera, in and out performer, ça dépend comment il sortit dans les stalles. S'il sortit bien, s'il galope comme la fois quand il bat African Fate et Smuts, s'il galope exactement comme ça, il sera un sérieux prétendant dans cette course. Sélection pour moi dans cette course, Ono Kalani, Al Jazeera. Et à la troisième place, je vous cite Quest for Good, un cheval qu'il faudra prendre en considération dans cette course. Présentation des portants dans cette troisième épreuve. The First Responders Cup, course qui sera courue sur 990 mètres, catégorie 0-26. Le 1 Captain of the Sea de l'écurie Nagadu, monté par l'apprenti Bagirati, portera 58 kg 3e ligne. Le 2 Great Stovanen de l'écurie Nagadu, monté par l'apprenti Bachamia, portera 60 kg 5e ligne. Le 3 Linedi Christmas Ice Cream de l'écurie Rawat, monté par l'apprenti Sophie, portera 57 kg 8e ligne. Le 4 Protective Light de l'écurie Nagadu, monté par l'apprenti Kelou, il portera 57 kg 7e ligne. Le 5 Vortacus de l'écurie Mahadia, monté par 2 Oliveira, portera 60,5 kg, il a tiré la 4e ligne. Le 6 Global Spectrum de l'écurie Ramatula, monté par Imran Chisti, 59,5 kg 2e ligne. Le 7 Jactor de l'écurie Mingor, monté par l'apprenti Ekroanior, portera 54,5 kg 1e ligne. Et le 8 Fort McHenry de l'écurie Urchan, monté par Rash Passing, il portera 55 kg et il a tiré la 6e ligne. Au tableau des ratings speed map pour cette épreuve, au tableau des ratings, Vortacus,
sur 990 mètres, sur Last 5 Performance et Last 3 Performance, et en ex-aequo avec Captain of the Sea. Captain of the Sea vote Akus avec un rating de 117, cet ex-aequo, suivi de Jackto avec un rating de 115. Last Performance, Captain of the Sea, meilleure performance avec un rating de 113. Course à 3 semblerait au niveau du rating entre Captain of the Sea, Vortacus et Jack Thor. Au niveau du speed map, Captain of the Sea semblerait seul frontrunner de l'épreuve. Troisième ligne, Lipou, capable pour lui en tête, facilement semblerait. Meilleur finisseur, Jack Thor. Et ensuite, Global Spectrum. Pass and race review pour cette course, and race review qui m'était déjà passé auparavant lors d'une journée précédente, celui de Jackter et Vortacus lors de la 15e journée. Alors Jackter sorti de la 5e ligne, Vortacus de la dernière ligne. Départ de cette première épreuve, 990 mètres à parcourir. Donc on va mettre une première pause là maintenant au ralenti. Jackter sautait aussi vite que Vortacus dans cette course. Sauf que nous trouvons que le jockey de Jackter le ramène à l'arrière ensuite. Vouloir extérieur, shortcut en tête de l'épreuve devant Vortacus à son extérieur. Vortacus en 1-off. Jackter se retrouve derrière Trojan Quest à l'extérieur de Double Think. Alors que vous pensez facilement le petit cas positionné juste derrière Vortacus dans cette épreuve. Shortcut parti sous la bande de Yannick Teka, une longueur d'avance. Nous guettons les sectionnels. Jackter terminant 33-25 et 22-88 pour les derniers 400 mètres. Mettez une deuxième pause ici à 400 mètres de l'arrivée, à pratiquement 300 mètres de l'arrivée. Entre Vortacus et Jackter, il y a pratiquement 6 longueurs entre ces deux coursiers. Vortacus déjà lancé, Jackter toujours en main par son apprenti. Alors Vortacus rentre dans la ligne droite avec pratiquement 6-7 longueurs d'avance sur Jackter. Et Jackter pour terminer très très fort, il termine les derniers 400 mètres en 22-88 en temps corrigé. Personne ne battra Shortcut qui s'impose. Et il termine à l'arrivée à pratiquement 2 longueurs de Vortacus seulement. On pensait que Jackter, avec sa première ligne cette fois-ci, il a tout intérêt de bien sortir des boîtes et se positionner, pourquoi pas juste derrière Captain of the Sea qui, avec sa troisième ligne, définitivement Captain of the Sea pour aller aux avant-postes. Si Jackter se retrouve en deuxième position, pour moi, Jackter va gagner cette épreuve parce qu'il est peut-être plus fort que Vortacus qui, avec sa quatrième ligne, cave retrouve-lui encore une fois dans une position de one-off. Mais si jamais Jackter sort encore une fois lent comme la dernière fois quand Neville Lemieux remporte l'épreuve, Captain of the Sea gagne les courses faciles devant. Moi personnellement, je pense que ce sera un match entre Jackter et Captain of the Sea. Préférence pour moi, Jackter dans cette épreuve. Deuxième place, je vais mettre Captain of the Sea. Et pour terminer le tiers, c'est je vais mettre Vortacus à la troisième place. Présentation des portants dans la quatrième course, The Makalapo Resto of Kirpip Cup, course sur 1365 mètres, catégorie benchmark 41, le Undeserved Boy de l'écurie Rawat monté par Deneau, 61 kg 3e ligne, le 2 Canford Lights de l'écurie Debbie monté par Yannick Taka, 60.5 kg 4e ligne, le 3 Denan de l'écurie Rui monté par Nishal Tia, 60.5 kg 2e ligne, le 4 Freedom of Speech de l'écurie Mahadia monté par De Oliveira, 60.5 kg 6e ligne, le 5 Alaskan Knight de l'écurie Siudial monté par Swapnil Rama, 60 kg 5e ligne, et le 6 Crazy Charlie de l'écurie Narang monté par le jockey Perez, 59 kg 1e ligne. Au tableau des ratings pour cette course, 3 chevaux se tiennent de près et se démarquent du lot. Sur la distance de 1365 mètres, 1400 mètres, on retrouve Crazy Charlie, Freedom of Speech et Canford Lights avec un rating respectif de 104, 103 et 100. Rating obtenu, rating produit lors de la 17e journée que ces trois portants qui galopent dans la même course. Au niveau du speed map, Alaskan Knight et Desert Boy les plus rapides du lot. Alaska Nats initie la 5e ligne, Desert Boy la 3e ligne. Fort probable que Desert Boy avec ce 3e ligne, il peut insister pour prendre le lead, garder le lead. Donc nous avons expect un train un petit peu rapide dans cette course.
parce que ce sont des chevaux qui normalement excellent sur la distance de 990 mètres. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, on a Crazy Charlie et Freedom of Speech. Tout de suite, nous passons au race review lors de la 17e journée quand nous retrouvons Freedom of Speech, Canford Lights et Crazy Charlie. Canford Lights sorti de la première ligne, Freedom of Speech de la C'est quatrième. parti Crazy Charlie, comme pour d'habitude, cette manque troisième épreuve complètement du son 400 départ. mètres, départant Crazy Charlie par une croix Alors, en bien tête partie de cette avec un course, retard on de a speech ici des Canford Lights se retrouve en troisième le cheval de position. l'écrit C'est Freedom Mingor. of Speech qui a pris un bon départ. Canford Lights en deuxième Carlos position. Raposix Lyzen. Et Et en retrait Canford Crazy Lights, il Charlie peut partner in tirer crime. pratiquement Saute à sur tout le l'article dirige parcours dans cette l'opération avec course. Swap Milrama. Freedom of Donc Speech prend une longueur paye d'avance sur Galop Canford Lights et Relax tire un peu en en deuxième quatrième position sur position. l'extérieur de la Alors, rochelle c'était pour la la toute première longueur. sortie de Canford Freedom of Lights sur la piste Speech du Champ de remplace Mars. Mambo Six Lyzen. Et il s'était Crazy montré Charlie en très très peloton green en lors de descente cette par course. Nine Crime et qui va bien en tête À avec nouveau côté des 800 800 mètres, pour et une le cheval longueur toujours d'avance PPT a sur toujours sur la Canford selle Lights de et qui se montre Bawan toujours Souffle. ardent. En deux, troisième position, Flower Escape juste à l'extérieur. Freedom of Speech a essayé de se rapprocher maintenant. Il a un beau parcours. Ensuite, eh bien, Seeds, Lysen, Carlas, Mambo. Et fermant le cortège, Crazy Charlie qui va attendre la ligne droite finale. Partner in Crime à 350 mètres de l'arrivée. Mais il faudra pouvoir repousser l'assaut de Canford Lights qui laisse une bonne impression en deuxième position. Freedom of Alors là, Speech, Freedom très of Speech dangereux. amorce Mais l'attaque à Crazy l'entrée Charlie de la ligne arrive à droite être en finale à pleine l'extérieur voie de de la Canford course. Lights qui Il aura peut le temps de repartir. prendre les bases Swap Milrama à intérieures. l'intérieur, Canford Lights à l'extérieur, Freedom of Speech qui termine fort. Partner in Crime qui tente de s'accrocher face à Et Canford Lights. Freedom C'est of Freedom Speech of pour Speech remporter qui va terminer l'épreuve le plus fort à et put domine l'extérieur. Canford Freedom of Lights Speech, Canford Lights. par une longueur. Freedom of Speech s'impose devant Canford Lights et Partner in Crime. Alors, basé pour moi sur cette course, du fait que c'était la toute première sortie de Canford Lights, que tu réalises une performance très honorable, à mon sens. Cette fois-ci, quatrième ligne, Desert Boy, poil aux avant-postes, Alaska Knight pour galoper dans le peloton de tête, peut-être lui aussi pour fight for the lead. Bon, pensez que Canford Lights, c'est qu'elle retrouve les bords derrière ses deux chevaux. Moi, j'espère qu'il pousse être bien mieux cette fois-ci. Il montre les très très green la première fois. Freedom of Speech pérévine pour la deuxième semaine consécutive. Course qu'il aurait dû gagner la semaine dernière si ce n'était le mauvais choix de son jockey. Moi, penser à 400 mètres de l'arrivée, au lieu de d'attendre pour prendre les bases intérieures, il contourne tout le peloton complètement à l'extérieur. La sixième ligne, cette fois-ci pour Freedom of Speech, CAF complique un petit peu les choses pour lui. Parce que après les 1365 mètres, la première courbe arrive très très vite. Les CAF courent un petit peu wide lors de ce premier tournant. Ma sélection pour cette course, mon point pour Canford Lights, première place. Deuxième place, mon premier Desert Boy, mon dire quelques mots sur Desert Boy. La dernière fois, il a très très vite été peiné dans les derniers 50 mètres. Il finit à pratiquement de longueur de Ron's Joy. C'était lors de la 13e journée. Desert Boy, vous pensez avec sa troisième ligne, le fait qu'il peine à false raise cette fois-ci. Si Desert Boy se porte en tête et que Alaska Knight patakine lui aux avant-postes, Desert Boy, il peut cavaler très très loin dans cette course. Première place, Canford Lights. Deuxième place, Desert Boy. Et à la troisième place, vous mettez Freedom of Speech. Présentation des portants dans la cinquième course. The Makalapo Resto of Flick and Flack Cup, course sur 1400 mètres, benchmark 61. Le 1 Captain Lannister de l'écurie Narang, monté par Jockey Perez, 61 kg deuxième ligne. Le 2 Hailer de l'écurie Simon Jones, monté par Jeanne Boisdetier, 60,5 kg première ligne. Le 3 Sidens de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 59,5 kg quatrième ligne. Et le 4 Grand Vision de l'écurie Narang, monté par Robbie Bicari, 58,5 kg troisième ligne. Au tableau des ratings pour cette course. Lost 5 performance, lost 3 performance. Sur la distance du jour, nous trouvons que Hailer a un rating de 102. Lost 5 performance, Seedance a un rating de 101. Toujours lost 5 performance, mais sa bonne performance, c'était bonne performance de l'année dernière. Même pour Hailer, sur les lost 3 performance, le rating de 102, là, c'est toujours performance de l'année dernière. Basé sur lost performance entre Captain Lannister et Hailer, Captain Lannister pour un rating de 90 la dernière fois, malgré que la piste était en très très mauvais état. Au niveau du speed map, Captain Lannister Sidens les plus rapides du lot. Captain Lannister avec ce deuxième couloir, facilement les poupottes liés aux avant-postes, prend les bords devant Hailer. Sidens et Cave court wide cette fois-ci, d'autant plus qu'il a Grand Vision à son
L'intérieur. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, nous retrouvons Captain Lannister et Grand Vision. Captain Lannister possède meilleur départ, meilleur finish de cette course, prétendant principal. Race review, celui de Captain Lannister, lors de sa dernière course, 22e journée, sorti de la première ligne. Et c'est parti le pour jour cette que la troisième piste épreuve. était en Donc, très très Captain mauvais Lannister état, avec Emerald dans le Band cheveux de Spégal par l'extérieur. Également bien Il sorti démontrait une droite, très belle Captain vélocité Lannister, Emerald lors de cette Band. course. On retrouve Valyrian King, super excited. Si nous guettons cependant sectional le time, cortège, dernier 800 Hale, mètres donc, en 47,73, dernier 636,46 et dernier 400 mètres en 24,99. En temps corrigé, ça veut dire une corrigé par rapport à l'extérieur que le cheval a fait et puis, pendant la course. Il y a Hale qui ferme il faut noter que la correction par rapport à l'état de la piste, c'est 3.0. Lannister, le favori, monté par Roberto donc Pérez, très bon chrono avec un appui de 3.0 ben, pour Captain Lannister. Représentant d'écurie Chéri Chénarang monté par Robbie Vicari, super excited, qui va également se rapprocher maintenant à l'extérieur. Et puis on retrouve Hale Valyrian King, Captain Lannister qui va toujours bien aux avant-postes. Emerald Band ne lâche pas pour autant l'affaire avec super excited. La course en elle-même n'est pas une course référence du vécu de l'état de la piste. Hale Valyrian King à l'entame du dernier bonne. Virage. Avec Mais le grand favori, Captain la Lannister qui facilité, l'aisance avec vainqueur derrière lui, lequel on retrouve Emerald le cheval à cause, l'aisance avec laquelle il sprintait dans la ligne droite. Captain Lannister monté par Roberto Pérez. C'est ça qui est impressionnant. Chéri Chénarang qui va se détacher. Victoire facile de Captain Lannister pour la deuxième place. Alors, pour moi, dans cette course, moi, je peux faire mon premier banker de la journée. Captain Lannister, c'est mon premier banker de la course. Peut-être pour la deuxième place, Grand Vision, Seedance pour terminer le tiercé. Présentation des partants dans la sixième course, course principale, The Makalapo Cup, course qui sera course à 990 mètres, catégorie. Course de groupe 2, le 1. Le 1, Emblem of Hope de l'écurie Hutchan, monté par Bachamia, 58 kilo première ligne. Le 2 Valyrian King de l'écurie Ramzin monté par Sonaram 54 kilo quatrième ligne. Le 3 Dutch Harley de l'écurie Debbie monté par Yannish Taka 53 kilo troisième ligne. Et le 4 Elmo de l'écurie Rameshwar Gajador monté par Souful 52 kilo deuxième ligne. Table des ratings sur cette distance de 990 mètres. Last Fight Performance, Emblem of Hope possède le meilleur rating, un rating de 128. Devant Dutch Alley, un rating de 126. Dutch Alley, Lost Three Performance, possède ce rating de 126. Donc, course qui devrait se jouer entre Emblem of Hope et Dutch Alley. Niveau du speed map. Sur les 4 chevaux, 3 sont les plus véloces, Emblem of Hope, Elmo, Dutch Alley. Qui normalement, The Pubza Fight for the Lead. Au niveau du finish index, il se tient de près Dutch Alley, Emblem of Hope, Elmo et un degré moindre, Valyrian King. Donc, basé sur Speedmap, nous trouvons que c'est une course qui Pubza déroule, qui Pubza aller plutôt vite, très très vite même, avec Emblem of Hope qui tient la première ligne, Dutch Alley la troisième ligne, Valyrian King la quatrième et Elmo la deuxième ligne. Nous passons au race review de cette course. Race review de l'année dernière, lors de la 39e journée, quand effectivement nous retrouvons 3 chevaux parmi ces 4, Dutch Alley, Emblem of Hope et Valyrian King. Dutch Alley qui remporte l'épreuve en temps record devant Emblem of Hope dans sa course. Alors Dutch Alley qui tire la première ligne, Emblem of Hope la 6e ligne et Valyrian King nous retrouve la 3e ligne dans cette course. C'est parti pour cette cinquième épreuve, 990 mètres à parcourir, excellent départ. Dutch Alley se porte en tête Valyrian King, bien parti, Goat sur les à son excès Valyrian King. En troisième épaisseur, évolue Emblem of Hope, Emblem of Hope court en free wide. En descente, Lali Rabatli derrière Valyrian King, Goteux sur les bords à l'intérieur de Emblem of Hope. Alors, un écho qui n'a très très vite, comme on dit en temps record, en corrected time, Dutch Alley couvert la distance en 54,07.
Et Emblem of Hope en 53-87. Parce que là, il peut attaquer en 3ème épaisse à partir de 400 mètres. Alors, toujours retenu par son jockey. Dangereux, visiblement, même si Dutch allait à l'avantage pour l'instant. À l'extérieur, Emblem of Hope va faire l'effort. Emblem of Hope termine les derniers 800 mètres en 42-96, dernier 632-92 et dernier 422-99 en corrected time. Dutch allait, Emblem of Hope. Ensuite, Goethe. Alors pour moi, basé l'os à l'écosse, que Emblem of Hope sorti de la 6ème ligne, de la dernière ligne, et Dutch Elite de la première ligne, cette fois-ci les rôles sont inversés. Nous retrouvons Emblem of Hope avec la première ligne, Elmoyne la 2ème ligne, et Dutch Elite la 3ème ligne. Vous pensez que Emblem of Hope, définitivement, il pourrait retrouver les bords, s'il est capable de garder Elmo à son extérieur, qui peut garder Dutch Elite encore plus à l'extérieur. Vous pensez que ce sera très très dur de battre Emblem of Hope, d'autant plus que nous trouvons l'Oban Sectional, l'Oban Chrono de Chronoform, que Emblem of Hope, lui aussi, il a le temps recours dans ce lasam, l'os à distance. Là. De ce fait, moi, je vais faire Emblem of Hope le deuxième vainqueur de la journée. Avec sa première ligne, je pensais qu'il sera très très dur à battre. Emblem of Hope à la première place. Deuxième place, on met de Charlie. À la troisième place, Elmo. Présentation des portants dans la 7ème course. Sprint sur 990 mètres. Le Bouchon Association Cup. Catégorie Benchmark 46. Le 1 Action Pack de l'écurie Pedro, monté par Kelsey Ramsamy, 61 kg 5ème ligne. Le 2 Night King de l'écurie Yannick Pedro, monté par Steven Deneau, 60,5 kg 1ère ligne. Le 3 Footy Gold de l'écurie Dominique Zarki, monté par Jeanne Bois-Dottier, 60 kg 2ème ligne. Le 4 Sprite de l'écurie Minga, monté par Cédric Ségéon, 58,5 kg 3ème ligne. Et le 5 Warrior Captain de l'écurie Debbie, monté par Roby Bicari, 57 kg 4ème ligne. Tableau des ratings dans cette course, sur la distance de 990 mètres, Night King se démarque complètement de ses adversaires. Lost 5 Performance, un rating de 125. Lost 3 Performance, un rating de 121. Ensuite, nous retrouvons Spry et Warrior Captain avec un rating de 116 respectivement. Donc, basé sur le rating, nous trouvons que cette course devrait être une formalité pour Night King. Au niveau du speed map, Night King le plus rapide des boîtes, d'autant plus qu'il initie la première ligne. Il y a une Footy Gold qui est relativement lente par rapport avec lui à la deuxième ligne. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, Night King. Donc il semblerait que tout soit réuni pour que Night King remporte cette épreuve. Night King sur les tableaux du rating en pole position. Night King au niveau du start index en pole position, et au niveau du finish index aussi, il semblerait que c'est le meilleur finisseur de la course. Pas de race review par contre dans cette course. Vous pensez que Night King fera qu'une bouchée de ses adversaires dedans. Les deux fois que Night King finit perdu cette année-ci, une fois contre Spry, dominé par Spry, et la dernière à sa dernière sortie, dominé par Goethe et Spry, ces deux fois l'état de la piste n'était pas bonne. Les deux fois, l'état de la piste était molle, très très molle. Et ces deux fois, le cheval a été reported lame après la course. Donc définitivement, la piste molle ne convient pas à Night King. C'est le temps correct. Demain, avec une bonne piste normale à 2.8 unités, vous pensez que Night King, avec sa première ligne, il peut faire les tours de la piste. Et il peut bien remporter cette épreuve. Vous faites de Night King mon troisième vainqueur de cette journée. Night King devant Spry, la deuxième place, la troisième place. Moment Warrior Captain qui peut bien galoper en progrès cette fois-ci. Présentation des portants dans cette dernière et huitième course. L'Archer Academy Cup, course sur 1365 mètres, catégorie Benchmark 31. Le 1 Cloud Seeder de l'écurie Studial, monté par Swapnil Rama, 62 kg 7ème ligne. Le 2 Straight de l'écurie Ramatula, monté par Imran Chisti, 62 kg 10ème ligne. Le 3 Gang Leader de l'écurie Rui, monté par Rajurawan, 60,5 kg 2ème ligne. Le 4 Happy and Glorious de l'écurie Mamdi, monté par Deneau, 60,5 kg 3ème ligne. Le 5 Mauritius de l'écurie Urchan, monté par l'apprenti Gulja, portera 56,5 kg 5ème ligne. Le 6 Hard Falling Rain de l'écurie Debi, monté par Yarnish Taka, 60 kg 1ère ligne. Le 7 Jetstream de l'écurie Sudial, monté par l'apprenti Dinat, il portera 58,5 kg 6ème ligne. Le 8 On a High Note de l'écurie Yashine Mamzi, monté par Sunaram, 60 kg 8ème ligne. Le 9 Call of Money de l'écurie
Maradia monté par De Oliveira, 59,5 kg 9e ligne, et le 10, l'Emergency accepté de la course, Ticket to Cairo de l'écurie Ramatula, devrait porter 62 kg et il a tiré la 4e ligne. Au tableau des ratings dans cette course, sur la distance 1365 mètres, 1400 mètres, trouvez que ça se joue de très très près entre plusieurs chevaux, notamment Straight qui possède un rating de 100, Gang Leader, Jetstream rating de 99, Rod Falling Rain rating de 98 et Cloud Seeder rating de 98. Donc une course plutôt serrée à prévoir. Au niveau du speed map, Start Index, Hard Falling Rain, Cloud Seeder les plus rapides, un degré moins, Call of Money qui tient à la 9e ligne. Gang Leader aussi une bonne vélocité. Trouvez que Hard Falling Rain avec sa première ligne, définitivement, il peut jump and lead in the race. Cloud Seeder avec ce 7e couloir, pas trop connu qu'il pouvait. Est-ce qu'il peut tackle for the lead lui aussi? Idem pour Call of Money qui cette fois-ci sera équipé des blinkers que l'Ipuka a démontré plus, encore plus de gate speed cette fois-ci. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, Happy and Glorious, Jetstream, Straight. Je passe au race review pour cette épreuve. Race review lors de la 18e journée, course remportée par Superior Force devant Hard Falling Rain à la 3e place. Gang Leader. Gang Leader sort de la 3e ligne dans cette course. Alors que Hard Falling Rain de la 1ère ligne. Course. Et le départ, référence. Bonne course référence. Dans un excellent chrono. 1 minute 21 secondes. 54 centièmes réalisé par Hard Falling Rain en corrected time. Pour 1365 mètres. Et 1 minute 21 secondes 45 centièmes pour Gang Leader. Malgré qu'il est sorti de la 3e ligne, Gang Leader n'est pas réussi à prendre les bords et l'y retrouver à l'extérieur de Superior Force dans la montée. Dans la montée, Kotlin Porco, la tranche 1200 mètres, 800 mètres en 22-29, extrêmement rapide, très imprimé par Hard Falling Rain. Il est retrouvé en 3e épaisseur en descente et là, son jockey Ali Hossein reprend sa monture pour se placer sur les bords. Zazel Imza reprend ce monture alors pratiquement une longueur. Superior Force qui va mettre un peu la pression maintenant à la rue du gouvernement. Superior Force, mais Hard Falling Rain est plus à l'aise à l'intérieur. Superior Force qui a passé des 500 mètres. Attention, il va très bien en 3e position, décrocher. Lancé à fond. Oxford Blue pour le sprint. Une lancée dès les 500 mètres par Hard Falling Rain. Face à l'extérieur, à Superior Force, lancé par De Oliveira qui va revenir sur Hard Falling Rain à l'intérieur. Attention à Gang. Et ces trois coursiers terminent à la 3e place. Force fait la différence. Pour se démarquer des adversaires. Toujours, mais il gagne. Superior Force devant Hard Falling Rain, Gang Leader. Sur cette course référence, moi, je pensais que Hard Falling Rain et Gang Leader demeurent les principaux prétendants de cette épreuve. Moi, je pourrais accorder un léger avantage à Gang Leader cette fois-ci. Pourquoi? Parce que avant cette course, il était galopé 990 mètres et il fait la transition 990 mètres, 1365 mètres. Pour moi, ça, c'était sa course d'adaptation sur la distance. Moi, je pensais qu'il pouvait galoper bien mieux cette fois-ci. Il tire la 2e ligne, il pousse sur les bords, il n'est pas besoin de galoper en extérieur, en montée. S'il follow Hard Falling Rain tout le long de l'épreuve, je pensais qu'il a les capacités pour remonter Hard Falling Rain dans la ligne droite. D'autant plus que cette fois-ci, Hard Falling Rain pourrait être taquiné aux avant-postes par Cloud Seeder et Color of Money. Ma sélection dans cette course, je parle pour l'outsider Gang Leader à la 1ère place. 2e place, Hard Falling Rain. Et à la 3e place, je peux mettre Straight parce que ce sera une course qui définitivement peut assez vite et qui peut favoriser malgré sa 10e ligne. Nous arrivons à la fin de cette émission et comme d'habitude, nous passons en revue les meilleures possibilités pour cette 26e journée. Cheval Best on Ratings dans la 7e course, le 2, Night King, comme on a trouvé le tableau des ratings, se démoque largement de ses adversaires dans cette course.
Best on Speed Map, le cheval qui sera favorisé par rapport aux circonstances de course. Dans la troisième course, le 1 Captain Over, c'est qui nous trouvait l'autre Speed Map. Il est supposé être seul aux avant-postes, et puis seul aux avant-postes avec sa troisième ligne. Il est devant sur 990 mètres, un avantage certain. Et vous pensez que Captain Over est un very, very good place chance dans cette course. Moi, mon banker de la journée, je parle pour le 1 dans la cinquième course, Captain Lannister. Mon value bet de la journée, je parle pour le 1 dans la sixième course, Emblem of Hope. Vous pensez que dans ce champ de 4 chevaux seulement, Emblem of Hope à 250 à 300 roupies est un très très bon value bet dans ce champ. Mon outsider de la journée, comment nous fait trouver dans la dernière course, le 3 Gang Leader. Proposition de pick 8 pour cette 26e journée. Dans la première course, 2, 3, 6. Dans la deuxième course, Phil, nous mettons tous les chevaux. Troisième course, le 1 et le 7. Quatrième course, 1, 2, 4. Cinquième course, banker le 1. Sixième course, banker le 1. Septième course, banker le 2. Et dans la dernière course, le 3, 4, 6. Ticket qui va vous coûter 1890 roupies pour un ticket de 100%. Proposition de place accumulator. Dans la deuxième course, 2, 3, 6. Dans la troisième course, le 1. Quatrième course, 1, 2. Cinquième course, 1. Sixième course, 1. Septième course, 2. Et dans la dernière course, le 3 et le 6 qui vous coûtent 80 roupies pour un ticket de 100%. Proposition de pick 6. Dans la troisième course, le 1 et le 7. Quatrième course, 1, 2, 4. Cinquième course, 1. Sixième course, 1. Septième course, le 2. Et dans la dernière course, 3, 4, 6 qui vous coûtent seulement 90 roupies pour un ticket de 100%. Proposition de pick 4. Alors, nous commençons dans la cinquième course, le 1, sixième course, le 1, septième course, le 2. Et dans la dernière course, 3, 4, 6, qui pour coûte seulement 30 roupies pour un ticket de 100%. Voilà, c'est tout pour cette revue. Et nous retrouvons demain pour la prochaine édition de Kipouze, que nous passons en revue l'analyse de la 27e journée, qui comportera la grande course que nous pouvons dans le match The Gatekeeper, Twist of Fate et Luna Vacation. Sur ce, à demain.